عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Dans cette vidéo explicative, nous allons voir l'article défini en langue arabe, à savoir le alif wa lam, qui signifie en français le, la, les et l'apostrophe. Donc, comme en français, la langue arabe également, on y trouve l'article défini pour définir un nom indéfini. Donc, les noms indéfinis sont reconnus par la double voyelle n, in, un, ou qu'on appelle autrement le tenwin. Donc voilà, en arabe, cet article, on l'appelle le alif wal lam, ou on l'appelle al. Sauf que, on verra que parfois nous prononçons le L de l'article et parfois nous ne le prononçons pas. Et pour cela, on va répartir l'alphabet, qui est composé de 28 lettres, on va la répartir en deux parties. On aura 14 lettres Ash-Shamsiya. Ici, la traduction en solaire ne sert pas à grand-chose parce que la terminologie en arabe nous rappelle la règle. Ash-Shamsiya. Ici, je ne prononce pas le lam de l'article. Et 14 lettres Al-Qamariya, qui sont, où là je vais prononcer le L. Donc d'abord, Al-Huruf Al-Qamariya. Alors, une fois précédé du Alif ou Al-Lam, ces 14 lettres-là, on prononcera le L. Donc, en mémotechnique, en 4 mots, on peut les retenir, à savoir Ibri Hajjaka Wakhaf Aqimahu. Donc là, quand on a une de ces 14 lettres, on prononce le L. Exemple, Al-Qamaru. Al-Qamaru. Le Qaf est une lettre Al-Qamariya, donc on prononce le L. Et parfois, on peut reconnaître facilement si la lettre est une lettre al-qamariya ou pas, quand la sukun est visible sur le lam. Mais ce n'est pas tout le temps le cas, d'où il vaut mieux retenir les mémotechniques Ibri, Hajjaka, Wakhaf, Aqimahu. Ensuite, à l'inverse, on a al-huruf ash-shamsiya. Et là, cette fois-ci, on ne prononcera pas le lam de l'article. Donc, c'est le reste des 14 lettres que nous n'avons pas vues dans la catégorie précédente. Exemple, Ash-Shamsu. Hein, on dira Ash-Shamsu et non pas Al-Shamsu. Et bien sûr, en transformant ces Ash-Shamsu en un terme indéfini, à savoir pour dire Shamsun, hein, nous n'allons pas garder la Shadda, car un mot ne débute jamais par une absence de voyelle. En tout cas, en arabe littéraire, c'est le cas. Alors, ensuite, la liaison. Pourquoi la liaison? Car le alif que nous trouvons dans le L est ce qu'on appelle une hamza instable, qu'on ne prononcera que si rien ne la précède. Exemple, en indéfini ici, nous avons kitabun. En ajoutant l'article, ça fait el kitabu. Donc là, on l'a prononcé parce que rien ne la précède. Mais là, le terme est précédé d'une conjonction de coordination, wa. Donc là, on va passer de wa au lam en sukun. Donc ça va donner wal kitabu. Un autre exemple, narun. An-naru, le nun est une lettre ash-shamsiya, voilà pourquoi on a une shadda. Et également précédé de wa va donner wan-naru. Donc la liaison est possible que entre les vocales ou absence de vocables visibles. Le deuxième cas de liaison,
C'est pour les prolongations. Donc, nous avons vu que quand nous avons une des trois prolongations, à savoir le alif, le wa, le ya, on prolonge de à peu près 2 temps, hein, le temps de prononcer 2 vocales. Sauf que quand cette prolongation est suivie du al, on ne la fait pas. Exemple, ala tout seul est une prolongation, mais suivi de al, de la hamza instable et du lam, on ne fait plus la prolongation. Donc on va passer du ayn à, et on va aller au lam ici. Alal kursiyyi. Ça va être le cas ici. On va passer de fi au lam. Filma'i. Ça va être le cas également ici. Un exemple très connu. Ihdina siratal mustaqim. Donc, la prolongation ici, ihdina, on ne va pas la faire en cas de liaison. Mais à l'arrêt, on va la faire. Ihdina. Là, je la fais. Mais si je fais la liaison, ça va donner ihdina si. Je vais passer au sod. Et enfin, muslimu, prolongation. Mais en liaison, ça va donner muslimul-yaban. Je vais passer du mim ici au lam. Donc voilà pourquoi la liaison. Dernier cas de liaison, hein, qu'on ne retrouve pas tout le temps dans les livres, mais si jamais c'est le cas, dans les livres sans accent, ça va être le cas, mais dans les livres d'apprentissage, généralement, les voyelles sont tous apparentes, les voyelles de liaison également. Donc parfois, nous avons deux soukounes qui se suivent. Que faire? Généralement, quand c'est le cas, le premier soukoun sera transformé en kasra. Exemple, quand j'ai hel suivi de el masjid, je ne peux pas faire la liaison entre deux absences de voyelles. Du coup, je vais transformer la première en kasra. Également le cas, katabat el muallimatu, qui va me donner katabatil muallimatu. Là, ça va me permettre de fluidifier ma phrase. Donc ça, c'est la règle en général. La deuxième règle, c'est concernant la préposition min quand elle est suivie de al. Donc c'est la seule à ma connaissance qui donnera mina. Voilà, mina, min suivi de al donnera mina. Exemple, min el masjid égale à min el masjid. Min as-sin égale à min as-sin. Et enfin, pour la Dhamma, qu'est-ce que nous avons? C'est les pronoms au pluriel masculin. Ça peut être des pronoms isolés comme des pronoms attachés. Quand ils sont suivis de al, donc on met une Dhamma. Et l'exemple le très connu, c'est wa alaykumus salam. À la base, c'est une soukoun ici que vous voyez là. Alaykum as-salam. Donc pour faire le lien, ça va donner Wa alaykumus salam. Shukran ala al-mushahada. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Wassalamu alaykum. À la prochaine vidéo, inshaAllah. عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا عربية